Un match avec un contenu intéressant. Un match qui, pour moi, c'était un peu débloqué sur le premier instant pour le coup franc. Et nous savons, après, premier mi-temps, difficile de gérer, rester et faire un bon coup de poussée à ce ballon. Mais la deuxième mi-temps, je pense, c'était plus intéressant sur le point-là. Mais un match avec plus d'efficacité, un match avec moins d'efficacité. Aujourd'hui, je pense que nous avons trouvé un bon équilibre entre les occasions. Même comme ça, nous avons raté 2-3, mais les matchs sur le contenu intéressants. Ce n'est pas une question de choix fort. Nous avons un effectif vraiment intéressant et c'est seulement avoir l'opportunité. Tous les joueurs méritent une opportunité de jouer, d'être sur le match. Après, ce n'est pas ça, parce qu'il a joué, ce n'est pas longtemps. Le changement, c'est un peu sur la logique. On regarde sur l'adversaire, qu'est-ce qu'on cherche sur l'adversaire. Le point qu'on pense que c'est où est-ce qu'on peut toucher le point faible de l'adversaire. Nous avons pensé que Brahim peut apporter ça, sa vitesse sur l'axe et apporter, débloquer 2-3 situations. C'est la difficulté sur l'espace que offre, sur la possibilité de donner cet espace. Et après, ça a été clair qu'il y a un 3-4 mouvements, il a fait mal. Les prochains, je disais avant, prochains 6 matchs à domicile, si on peut faire 100%, on fait 100% et on va faire beaucoup de points. Et après, à l'extérieur, on va tout le temps faire ça. Mais la clé, c'est garder la rigueur et garder l'agressivité sur le match. Parce que beaucoup de matchs, les derniers 5-6 matchs, tous les buts encaissés sont petites erreurs de nous. On passe un peu de concentration, on relâche un peu. Et sur le relâchement, viennent tout le temps les erreurs.